too. Suivi, on est en road trip pour aller jusqu'à l'événement Street Fishing à Amsterdam fait par French Touch Fishing. Donc là c'est le deuxième jour, nous on est en road trip, on dort dans la voiture, on pêche un peu sur la route. Si vous avez loupé l'épisode numéro 1 de notre road trip, allez voir, hein, c'est le premier épisode, il y a du snook à la clé. Et là, du coup, aujourd'hui, on a un programme un peu improvisé. Ouais, c'est ça. On sait pas trop ce qu'on va faire. Donc, on est sur la route. On va monter direction Amsterdam. Et puis, si on trouve un joli coin pour pêcher sur la route, on pêchera. On sait pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, nous, c'est l'aventure. Spot, ça a l'air joli là, non? Ça a l'air joli, franchement. Là, on a marché au coup de cœur, quoi. C'est joli, on s'arrête, on pêche. They're looking for snooks. Oh, yeah, okay. But snook are sleeping right now. Yes. Oh, yeah. Okay. Bye. Have a nice day. Bye. Bye. Thanks. Sympa ce spot, non? Très sympa, très joli. C'est cool, hein? Franchement, super. Il manque juste des scouts. Là, c'est ce que j'allais dire. On a vu un peu de chasse et tout. Bah ouais, il y a de la présence, mais bon, il est midi 13h, donc c'est l'heure la plus difficile, donc faut insister. Si vous connaissez, mais apparemment c'est super bon. On connaît pas, nous on va tester. Allez, on teste. Chocomel. Si vous mettez un pouce bleu à cette vidéo, vous allez pouvoir gagner une saucisse de Hollande. Donc tous au pouce bleu, les mecs. Hein. J'ai pas la tête tellement j'ai faim, tellement j'ai soif. On va se ressourcer là. De toute façon, quand les snooks sont pas mordeurs, y'a rien d'autre à faire. Quand les snooks sont pas mordeurs, c'est nous qui sommes mordeurs. Ouais, c'est ça. Vous voulez voir Henri nu? Nu, il est à 199€. Habillé, je sais pas, mais... Alors le chocomel. Crash test. Je pense qu'il faut secouer. Chocolat, caramel. Ouais, je pense. C'est bon. Tu vois? Très bon ou... Ça va, c'est un bien chocolat, quoi. C'est bon. Ça ressemble à du... On en a chez nous, du candiop, mais avec un peu une petite touche de caramel. Chocomel, quoi. Bon, bah, petit break. On est encore sur la route. On a pêché tout à l'heure et comme vous l'avez sûrement vu, c'était difficile et les brochets n'étaient pas mordeurs. Et ouais, c'est vrai qu'il fait vraiment chaud. Même nous, on a fait une pause. La pêche en été, de toute façon, pour la pêche du brochet, est quand même très difficile.
Et cette fois-ci, on n'a vraiment pas réussi à vraiment les localiser. On en a pris quand même. On a eu des jolies touches, tout ça. Mais on n'a pas réussi à les localiser vraiment. On ne sait pas en fait ce qu'ils font, tout simplement. Et pour faire un petit parallèle avec l'hiver, là on savait les localiser en hiver avec la glace, ils étaient sous les ponts, pour avoir plus chaud, j'imagine. Ouais, en fait l'hiver c'était vraiment caractéristique, c'est-à-dire que tout était gelé. Vous pouvez retourner voir d'ailleurs les dernières vidéos. Ouais, on a tourné en février. Aller voir les vidéos en Hollande de cet hiver. C'était super sympa et là les spots étaient très marqués puisqu'il y a uniquement sous les petits ponts qu'on peut voir abondamment en Hollande que l'eau était dégelée. Donc les poissons en fait se trouvaient vraiment sous ces ponts quoi. Et là on a beau vraiment matraquer sous les ponts, ouais, peigner, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun poisson posté. Et en fait on prend des poissons en pleine eau à l'opportunisme vraiment, voilà. Qui défendent leur territoire juste et qui viennent taper dans le leur mais qui viennent vraiment pas se nourrir quoi. Il n'y a pas de vérité, c'est... Il n'y a pas de stratégie à mettre en place, vraiment quoi. On a tout essayé pourtant, que ce soit des leurres métalliques qui brassent beaucoup d'eau avec des gros flashs lumineux pour essayer de réveiller les snooks, ça n'a rien donné. On est passé sur des trucs plus soft avec du leurre souple, ça n'a rien donné non plus. Donc bon, difficile quoi. Ouais, difficile, mais c'est normal en été, en même temps ça peut pas mordre tous les jours. Hier on a fait 4 brochets, t'as eu 4 touches. En gros voilà, on décide 8 brochets. C'est bien pour l'été quand même, ouais. Aujourd'hui non, bon, on avait moins de temps de pêche, il fait chaud. Bon, c'est normal en même temps, yeah. Mais pour dire que ouais, la pêche en été du brochet, et même en Hollande comme quoi, eh ben, c'est difficile à cerner. C'est pas quand même si évident, ouais. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous trouvez les clés de la pêche du brochet en été, ça peut toujours être intéressant. Si vous savez les localiser. Après bien sûr ça dépend de chaque plan d'eau, chaque milieu, ça dépend de plein de choses, hein. Bien sûr c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Mais voilà, ce petit parallèle, les postes étaient vraiment différents, hein. On a peut-être une piste par contre avec, ouais, les écrevisses. Eh oui, on a une piste avec les écrevisses. On a vu vraiment présente hier quand on a pêché toute la journée et on a parlé avec quelqu'un qui nous a dit qu'effectivement il y en avait beaucoup et qu'ils s'en nourrissaient. Alors ça a l'air d'être vrai. Et petit indice, on a vu des brochets avec le bout des nageoires rouges. Ouais. Donc on sait que les perches et les carpes les perches et les carpes qui mangent beaucoup d'écrevisses à force peuvent avoir des terminaisons rouges. Bah, malheureusement, on n'avait pas de leurre écrevisse, on n'avait pas de crayfish sous la main, quoi. C'est dommage parce que ça aurait le peut-être crawfish. Permis. Le crayfish. Crawfish. T'es sûr? Ah, certain. C'est cray, C-R-A-Y. Non, C-R-A-W. Ah, je crois pas. Si. Ah, je suis pas sûr. Crow. On va regarder. Ah, c'est crawfish. Ouais, c'est crayfish. Dites à Louis. Écrevisse. C'est à côté de la plaque. Écrevisse. Crayfish. Ah, crawfish. Ah, alors, ah, mais non, mais on a en plus fait, de raison. Il y a UK et US. En Angleterre, ils disent crayfish. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on a tous les deux raison en fait. Ouais. En Angleterre, ils disent crayfish et aux US, ils disent crawfish. Mais bon, ça vient des US, la pêche à la croix. Non, mais toujours est-il que ça aurait pu être un moyen peut-être de débloquer la pêche. Et oui, ça aurait été sympa. Et on en a vu beaucoup, des grosses écrevisses sur les bords. Et à mon avis, ils s'embêtent pas les brochets. C'est facile de choper les écrevisses. Ça doit être vraiment riche, une alimentation riche pour eux. Ils font pas d'efforts, ils sont là-dessus tout l'été. T'as vu comment elles étaient? Elles étaient accrochées accrochées au béton en fait. Et les brochets, ils ont juste à ouvrir la gueule dessus et boum. Et malheureusement, on n'avait pas de leurre écrevisse. Bon, la prochaine. Autre chose que je note aussi, qu'on a pu noter par rapport à l'hiver, c'est qu'il y avait énormément de végétation. Ouais. Alors que ce soit dans l'eau, énormément d'herbiers. Ce qui est normal, bien sûr. C'est vrai. Mais beaucoup de lentilles d'eau aussi. Ouais, ce qui fait qu'il y a plein de spots qu'on pouvait pas pêcher. Exactement. Alors que cet hiver, on pouvait les pêcher sans problème. Ouais, la végétation, c'est joli, mais... l'eau est un peu plus basse. Il y avait des eaux très claires. Ouais. Nous, on cherchait les eaux marron, chocolat, café. Chocomel, des eaux chocomel. Et puis il y a beaucoup d'eau très transparente et ça vient peut-être des lentilles d'eau parce que tous les postes avec des lentilles d'eau c'était des eaux très claires. Ça c'était intéressant. Donc voilà, pour dire que c'était complètement différent, ouais. Des configurations différentes, végétation différente, attitude des poissons différentes. Donc c'est très intéressant. Bon, ouais, on n'a pas pêché assez pour faire une vraie analyse. On a pêché vraiment sur la route, nous, pour notre road trip, pour l'événement de French Touch Fishing. Donc on n'a pas fait une grande analyse, mais voilà, on voulait vous donner notre petit retour sur cette petite pêche en Hollande en été. Comparé, parce qu'on y est allé en hiver juste avant, donc c'est super intéressant. C'est cool. Et ça reste en tout cas un super beau pays pour pêcher. Hein. Rien que les paysages sont magnifiques, ça donne envie. C'est super beau. Allez, on va retourner sur la route. Allez,
Encore on un peu de la route, on a de la route. On a un Airbnb à 21h ce soir. Ouais. Et puis ce sera la dernière étape avant d'aller à Amsterdam sur les quais bétonnés demain. Bon, on vient tout juste d'arriver à l'Airbnb. La bonne surprise, c'est qu'il y a de la flotte derrière. Il y a vraiment, il y a un petit canal derrière. Et on vient de parler à la propriétaire du gîte et elle nous a dit qu'il y avait des gros brochets dedans et même une carpe conne. Donc, petit coup du soir avant qu'il fasse nuit là. Avant qu'on. Ouais, bon, t'as un spot à nous. Ouais, j'ai un spot, mais bon, j'y crois trop moi. J'y crois trop. Le petit brochet qui sauverait la journée, ça serait trop cool. On va voir. Mais non! Non! Non, je vais finir avec les snooks! Bon bah pas de snook pour ce petit coup de soir, mais c'était super bien. C'est la journée difficile. Mais bon bah demain, on se rattrape demain. Amsterdam, yes. Événement street fishing. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like pour la saucisse et abonnez-vous. Allez, à plus. On va essayer de faire mieux demain.